ministre en français. Donc aujourd'hui, c'est un grand moment puisqu'on ouvre l'ambassade de Bahreïn ici à Bruxelles. Votre message, s'il vous plaît, par rapport à ce grand pays. Bon, d'abord, c'est un message de félicitations parce que c'est un très beau travail qui a été fait ici, de rénovation du bâtiment, mais aussi du jardin. Et je vois des œuvres qui sont aussi sur les murs, qui sont des œuvres remarquables d'artistes du Bahreïn. Maintenant, c'est aussi un moment de renforcement des relations bilatérales, des relations aussi avec l'Union européenne, puisqu'on est évidemment le siège de l'Union européenne. Et je suis très heureux de voir un certain nombre d'acteurs économiques qui sont aussi présents ce soir et qui montrent que nous avons une capacité de travailler ensemble, je l'ai dit, dans le secteur de la construction, dans le secteur du dragage, dans d'autres domaines également. J'espère que cette rénovation d'ambassade, c'est le point de départ d'un renforcement de la relation bilatérale. Alors par rapport aux échanges, on parle culture, on parle économie, on parle aussi la Belgique, au Bahreïn, peut-être une visite prochainement ou peut-être autre chose ? Ça n'est pas exclu, il y a déjà eu plusieurs visites dans le Golfe. Moi je suis très heureux déjà de venir pour une part au Bahreïn, puisqu'ici nous sommes dans un morceau de territoire à la résidence. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir venir sur place, parce que ça renforce encore les échanges. Les visites officielles n'ont que ce caractère d'aider finalement à des développements dans le secteur culturel, scientifique ou économique, donc pourquoi pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre.